Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette vidéo a quelque chose de différent par rapport aux autres vidéos. Quelque chose qui fait d'elle quelque chose de totalement hors de contrôle. Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, sur cette vidéo, en fait, bon, c'est les golasso du mois de décembre, sachant que je n'ai pas énormément joué. Voilà, il n'y en aura pas tant que ça, ils sont pas super beaux comparés à ceux de janvier que vous aurez après. Mais voilà, c'est ceux que j'avais et ils ont eu lieu et ils ont existé, ils sont là, quoi. Voilà, profitez bien. Frère, ce geste était bien pourri, bravo! Alors là, après nos études, on n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. C'est carrément un truc de fou, tu vois. Le temps, normalement, il n'était pas écoulé, ouais, tu vois, il pouvait jouer. Et pourquoi il n'a pas pu jouer? C'est ce que j'ai vu moi aussi. Ouais, en fait, je pense que c'était juste des problèmes avec mon wifi. Ouais, je te l'accorde. Ce but, il est pas exceptionnel. C'est juste que, tu vois, le mec s'est placé en défense. Je voulais juste montrer que, voilà, tu te places en défense, des fois. Pas pour grand-chose. Au fait... Enfin, en fait, je pense que le mec a sous-estimé le jeu. Ah, j'ai l'impression de revivre cette situation, tu sais, quand on doit presser le pion, là. D'après notre analyse, ce but était complètement chanceux. Hein. Je pense pas du tout. Alors, connaissant José et son amour des golasso, je pense qu'il va utiliser le poteau. Regardez bien, je pense que... Ah bah non, je me suis trompé. We'll be right back.
dois avouer que j'ai viré son pur en mode noob. Ouais, je suis désolé. Ouais, je peux le dire parce que franchement, tu l'as remis exactement là où il était.